Toujours dans le volet sanitaire, l'ONG, le réseau des experts européens pour le développement économique et social, a procédé à la pose de la première pierre du centre de santé Léon Kakou Adom du village de Djangobo dans la sous-préfecture de Niablé. La cérémonie s'est déroulée en présence de Israël Aonan, représentant le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Abel Kwao, Djeku De Silva. Djangobo, village de la sous-préfecture de Niablé, situé à une trentaine de kilomètres d'Abengourou. C'est la pose de la première pierre du centre de santé Léon Kakou Adom, une infrastructure sanitaire qui permettra aux populations de bénéficier des premiers soins et réduire le taux de mortalité. C'est l'objectif visé par l'ONG Réseau des experts européens pour le développement économique et social. Le but de l'ONG, c'est l'aspect social. Nous intervenons dans l'aspect social. La construction des centres de santé, des écoles, permettent aux Ivoiriens d'éviter l'immigration clandestine. Et voilà un peu, nous travaillons aussi des bourses d'études. Souffrez que ce soir, je ne dise pas grand-chose. Mais si ce n'est que merci. Merci au conseil régional. Merci à Redes qui a bien voulu croire en ce village de Djangobo et qui nous donne cette opportunité d'avoir non seulement un centre de santé, mais aussi une école qu'il faudrait qu'on ajoute dessus. Quant aux représentants du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, il a retracé le parcours de feu Léon Kakou Adom. Nous sommes venus ici à Djangobo pour venir faire une mission de prospection. Notre mission consistait à voir si effectivement le village de Djangobo pouvait mettre à la disposition de l'ONG un site. Maintenant que le constat s'est avéré, nous sommes partis, nous avons rendu compte. Le ministre n'a même pas voulu que ça fasse un mois. Trois semaines plus tard, le ministre nous renvoie encore ici. L'ONG Réseau des experts européens pour le développement économique et social est basée en Italie. Elle est spécialisée dans le social, la lutte contre la pauvreté, l'immigration clandestine et la construction des centres de santé et des écoles pour les populations démunies.